métier de poste source, c'est l'exploitation des postes sources, le maintien en l'état, la maintenance, l'amélioration aussi. On fait également des recherches défauts de câbles. On a un camion qui nous permet de se brancher et de localiser la panne. Donc on assure également cette partie-là. J'ai trouvé mon alternance lors d'une visite d'un poste source justement. Donc il y a un petit partenariat en fait entre Enedis et mon établissement à Brive. Lors d'une visite, ils ont explicitement dit que l'année prochaine allait sûrement s'ouvrir des postes en alternance. Donc moi j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que ça permet quand même de valider pas mal de compétences qu'on voit théoriquement à l'IUT. Vincent reste quand même très professionnel lors des tâches qui doivent l'être et il reste beaucoup pédago et ça c'est quand même hyper important dans nos corps de métier. Le temps mis à partie pour ma formation en direct c'est vraiment top et Vincent sait le prendre. Je pense qu'il doit me trouver pédagogue en tout cas et surtout le laisser faire, lui donner les clés pour qu'il puisse s'organiser tout seul et faire les opérations tout seul. À l'IUT, en fait, ils ont décidé de nous faire venir en entreprise que lors des vacances scolaires, puis à partir donc de février-mars, de venir pendant 6 mois jusqu'à septembre non-stop. La marge de progression, je trouve qu'elle est vraiment dans cette période-là. Pendant 6 mois, il est vraiment concentré là-dedans, il a le temps vraiment de se plonger et tout simplement pour enregistrer aussi les informations, c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai fait le choix de prendre un deuxième appartement tout en gardant celui à Brive pour ma formation. Enedis met en place une aide donc à la mobilité pour les tout transports en train en fait, vers le lieu de formation et inversement, et une aide pour le logement aussi. Non, je n'ai pas eu de difficultés au niveau de la mobilité et du logement. Moi, très. Je suis très, très content. Pareil, c'était vraiment ce que je voulais, donc je ne suis absolument pas déçu. Ce qui serait top, et je fais tout pour, c'est essayer d'être embauché donc en AIS, donc que ce soit à Périgueux ou ailleurs, parce que la mobilité, c'est quand même un point clé. Mais voilà, essayer de rester dans ce domaine-là et dans cette entreprise. C'est une belle porte d'entrée, ça permet de se familiariser aussi avec le monde dans l'entreprise, ce qui est moins le cas en stage, on a moins l'impression de faire partie de l'entreprise. Lucas est considéré comme un salarié de chez nous, hein. C'est pas juste un stagiaire, donc il y a une vraie valorisation de la personne et je pense que pour une évolution personnelle, c'est au top. Moi, je rajouterais que même vis-à-vis en fait, de la formation, tout devient beaucoup plus concret. Et moi, je l'ai vu au niveau de mes résultats scolaires, il y a vraiment une amélioration parce que ce qu'on voit en entreprise et souvent ce qu'on voit en théorique à l'école, ça permet de faciliter la compréhension, disons.